par le marteau tonnerre de Thor. Ça fouette les sangs. Sauvage et téméraire, comme nos premiers combats ensemble. Tu te souviens de l'île au nord de Stavanger? Oui. C'est là que Kjotve le Cruel entraînait ses berserkers. De grands crétins lourdeaux, l'écume aux lèvres. On les provoquait depuis la cime des arbres. Et celui qui était ivre, tu te rappelles? Tout nu, à se geler le membre en nous cherchant partout. On l'a retrouvé en train de culbuter un tas de neige. As-tu été heureuse d'avoir de mes nouvelles? Je me suis demandé dans quels ennuis tu t'étais encore fourrée. Mais j'ai souri en entendant ton nom. Et je me suis demandé si tu avais pris la suite de ton père. Si c'était toi qui dirigeais le clan désormais. Eh bien, tu as ta réponse. Je préférerais ressembler à un troll et laisser ce clan entre tes mains. Ne compte pas sur moi. Quand mon père a été élu Jarl, il n'avait personne pour l'aider. Et pourtant, il a triomphé. Mais je ne suis pas comme lui. Je veux simplement voyager. Tu crois que Sleipnir aimerait rester à l'écurie, même si l'on y chantait sa gloire? Hé hey, pourquoi tu as fait ça? Tu as des amis, Vili. N'oublie pas Trygve, ni moi, ni ton clan. Mais oui, je sais tout ça. On ne peut pas toujours voyager. Garde cela à l'esprit. Tu as autour de toi des hommes qui t'aiment. Et cela ne changera pas. Sauf si tu les repousses. Tu dis des choses que je peux comprendre. Face de troll, bâton aux fesses. Un poulet drogue ? Ça peut vraiment exister. J'ai vraiment du mal à y croire. C'est comme la Voda. De l'eau qui brûle autant que le feu. Je jure que c'est la vérité. Si l'on oublie la mort de ton père, Vili, cela a été agréable, amusant même. Il t'arrive de te demander ce qui serait arrivé si nous n'avions pas été séparés par la mer si tôt dans notre vie? Les aventures qu'on aurait menées, les attaques, les batailles, la gloire. Je pense même à ce qu'on aurait pu devenir l'un pour l'autre. Non, ça fait longtemps que je ne songe plus au passé. Quand je le faisais, cela me paralysait. J'aime trop le mouvement. Je crois que je vais dormir. La journée sera longue demain. Est-ce que tu t'en vas? Avec tout ce qui me préoccupe, je n'ai pas fermé l'œil. Les funérailles, les thanes, il faut que je rentre. Je comprends. Je te retrouverai là-bas. Vili, il est déjà parti. Pour préparer les funérailles, j'imagine.